Bonjour, donc docteur Leclerc, je représente le laboratoire Synlab Oxabio. Nous sommes actuellement 8 laboratoires dans la région. Nous sommes sur Solesme depuis une vingtaine d'années. Nous travaillons en partenariat avec tous les médecins de l'agglomération et toutes les infirmières libérales. Depuis ce début de période Covid, les infirmières libérales nous aident fortement dans tout ce qui est prise en charge et réalisation des PCR au sein du laboratoire. Notre laboratoire s'est équipé depuis mars de 5 thermocycleurs qui nous permettent actuellement la possibilité de réaliser 2000 PCR par jour, comprenant maintenant aussi le criblage des variants depuis un mois et demi. Donc en début mars, l'ARS a convoqué les 4 laboratoires qui étaient en mesure de pouvoir réaliser les tests PCR avec des automates aux capacités qui étaient encore globalement réduites. Notre investissement, comme je vous disais tout à l'heure, des 5 thermocycleurs nous permet aujourd'hui de réaliser ces 2000 tests. Actuellement, nous tournons à peu près à 1000 tests jour réalisés sur l'ensemble des sites. Nous avons des équipes de coursiers qui tournent entre tous les laboratoires avec 5-6 rotations jour. Et nous travaillons 24 sur 24 pour tous les établissements de soins, EHPAD du coin. Bon, ici particulièrement, nous utilisons nos capacités pour la ville, les EHPAD, le SSR de Briastre, avec qui nous travaillons énormément en partenariat. Les cliniques Saint-Roch, on dépanne l'hôpital de Cambrai pour la réanimation, les cliniques du Cambrésy, clinique Sainte-Marie. Donc nous avons quand même un énorme partenariat local avec tous les professionnels de santé. Alors aujourd'hui, il y a eu une demande faite par l'ARS parce qu'il y avait des chiffres dans le coin qui montraient certains indicateurs un petit peu négatifs. Et la mairie a été contactée et s'est très vite mise en place et nous a mis à disposition cette magnifique salle avec toutes les équipes de la ville, de la communauté de communes et encore une fois les infirmières libérales qui viennent nous aider à la réalisation des prélèvements. À l'heure présente, nous avons réalisé à 14h30 à peu près 60 personnes sur le dépistage de Solesme.